une grande première dans l'histoire de la Ve République. En succédant à Elisabeth Borne, le 11 janvier dernier, Gabriel Attal est devenu le plus jeune Premier ministre. Profitant de la venue de François Hollande sur le plateau de son émission C'est à vous, diffusée ce mercredi 24 janvier sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine n'a pu s'empêcher de l'interroger à ce sujet. Est-ce que son âge est un atout? A-t-elle alors demandé à l'ancien chef de l'État. La réponse de François Hollande ne s'est pas fait attendre, l'âge du capitaine, pour rester sur une formule, l'âge du capitaine n'indique pas le sens et la direction du bateau. A-t-il déclaré, de façon très imagée. Avant d'avancer dans sa réflexion, ce n'est pas un problème d'âge. Il vaut mieux être jeune que vieux, puisque c'est le reproche qu'on fait à Biden. C'est un bon principe, il vaut mieux être jeune. Mais être jeune, ne vous dit pas ce que vous allez faire comme politique gouvernementale. Une déclaration qui n'a pas manqué de surprendre l'acolyte de Patrick Cohen. Ça veut dire qu'il ne fait pas une politique de jeune? A-t-elle interpellé l'ancien locataire de l'Élysée. N'ayant pas la langue dans sa poche, François Hollande a dit le fond de sa pensée concernant la ligne politique mise en place par Gabriel Attal. Eh bien, il fait une politique avec des vieilles formules, a-t-il avoué de façon très cash. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal? François Hollande désingle la politique du nouveau gouvernement après avoir donné son avis sur la nomination de Gabriel Attal à Matignon. François Hollande a souhaité revenir sur un élément qui l'a tout particulièrement frappé lors du remaniement. La politique qui est menée, elle est vieille, a-t-il déclaré sans langue de bois. Et de poursuivre, elle est vieille à la fois dans ses formules, elle est vieille dans les mots qui sont utilisés. Vous avez vu les vieux fondamentaux de la droite qui sont repris. On a presque l'impression de voir un film ancien. Au fil de son explication, le mari de Julie Gayet a révélé avoir le sentiment de voir un film aux couleurs Sarkozy. Une déclaration qui n'a pas manqué de susciter quelques éclats de rire autour de la table. C'est tout à fait le droit du gouvernement d'aller dans cette direction mais si vous voulez, ce n'est pas une politique qui est nouvelle. D'abord, elle est assez en continuité avec la précédente, plus un élargissement à droite, sans obtenir l'accord de la droite. Pour l'ancien maire de Tulle, cette ligne politique fait vieux truc, vieille méthode. Un goût de déjà-vu qui est loin de convaincre François Hollande. Crédit photo, capture d'écran c'est à vous, France 5.